fois que je me fais une soupe miso au réveil. Mais vu que j'ai fait les courses n'importe comment, du coup aujourd'hui le programme ça va être visite. À fond, j'aimerais bien faire un musée. Je voudrais aller au jardin de Tivoli. J'ai cours de yoga du coup à 10h. J'ai réservé ça parce qu'en fait à Paris j'utilise une application pour mes cours de sport où tu réserves un peu dans les salles que tu veux, t'as des crédits et tout. Bref, et là c'est dispo, j'ai vu que c'était dispo à Copenhague. Du coup j'ai réservé un cours. Comme la semaine dernière j'ai fait absolument aucun sport, bah là je trouve ça cool. Voilà, j'espère juste que c'est en anglais. Après, je vais peut-être faire ma mimi cracra et pas repasser par ici. Commencer direct à aller au musée en tenue de sport, un peu transpirante. En fait, tout dépend du style de yoga que c'est. Et bien sûr, avant d'aller au musée, il faut que je me trouve un petit brunch. Parce que alors ça, c'est pas du tout mon petit déj. Hein. C'est vraiment juste pour essayer d'avoir un petit peu d'énergie. Je sais pas vraiment s'il y a beaucoup d'énergie dans une petite maison. Là, je rêve de pancakes avec de la banane, un truc bien fat. Je crois que cette rue c'est une de mes préférées. Elle est tellement mignonne. Aujourd'hui j'ai ressorti ma petite caméra de vlog parce que hier du coup j'ai tout filmé à l'iPhone, mais en vrai je suis pas sûre que la qualité bah, soit tip top. Du coup je fais encore des essais, j'y vais à tâtons. En tout cas aujourd'hui, comme vous pouvez l'entendre à ma voix, je suis full malade. Je suis arrivée ici, j'avais déjà mal à la gorge et tout. Ce n'est pas le Covid, rassurez-vous. Je tousse et tout, mais c'est pas grave. En vrai j'ai juste la crève que tout le monde a en ce moment. Ou a eu là, à l'arrivée de l'automne. Moi il fallait bien que je l'attrape à un moment. Voilà. Et d'ailleurs je voulais vous dire que ici au Danemark c'est trop bizarre. Puis que je suis sortie de l'aéroport, c'était quand même hier matin, j'ai pas croisé une seule personne avec un masque. Comme quand on s'habitue tellement à un truc, genre là ça me fait bizarre de voir que personne ne porte son masque nulle part. Genre juste du cours de yoga, c'était génial. Je sentais que ça allait être une bonne idée parce que du coup on a grave parlé avec la prof de yoga. Elle était américaine, trop gentille, on n'était que deux pendant le cours. Et du coup voilà, c'est cool de rencontrer des gens parce qu'en plus quand tu pars toute seule, bah voilà, tu parles pas beaucoup la journée, ouais. Et donc c'est cool de trouver des petits endroits comme ça pour rencontrer de nouvelles personnes. Et voilà, la deuxième fille était aussi américaine, donc c'était très international. Par contre dans cette ville j'ai toujours l'impression qu'il est genre 18h. C'est tout sombre, tout dark, mais hyper cosy. Et du coup avec la prof on a parlé de brunch et je lui ai dit que j'avais repéré un petit brunch qui avait l'air cool et elle m'a dit j'espère que tu parles de Calacet, un truc comme ça. Et du coup c'est pile là où je vais. Apparemment ils font des pancakes trop beaux. Donc c'est parti. Le musée, là il est midi, je suis dégoûtée, le musée du design de Copenhague avait l'air trop bien, je voulais absolument le faire et en fait il est fermé en ce moment, temporairement jusqu'en juin 2022, voilà, ils font des travaux du coup c'est cuit, c'est râpé. Mais bon niveau musée il y a de quoi faire dans cette ville donc je me suis rabattue sur un autre musée qui apparemment a une verrière au centre magnifique, donc voilà, je vais y passer quelques heures et puis voilà, la prochaine fois que je viendrai il faudra aussi que j'aille faire le Louisiana Museum d'art moderne qui a l'air super. Il faut prendre un train, c'est en dehors de la ville. Et franchement, là sur deux jours, c'est un peu trop juste. J'ai vraiment envie de rester à l'intérieur de la ville et de tout faire à pied. Pas me prendre le chou dans les trains et tout ça. Vous voyez le parc d'attractions juste devant moi, il est fermé en ce moment. Il réouvre vendredi et en attendant c'est fermé. Ça a l'air tellement mignon, il y a plein d'attractions et tout, vous me l'avez trop recommandé. Et je peux pas... Pourquoi je suis tombée pile quand plein de trucs sont fermés? Je suis dégoûtée, mais au moins il y a un monsieur à la maison qui sera content. Ça nous fera une excuse pour revenir à Copenhague tous les deux, donc c'est pas plus mal.
Bon, j'avoue que ce soir, j'avais espéré être active et aller boire un petit verre. En fait, je suis de retour à la maison depuis 17h. J'ai une oreille bouchée, j'ai retouché des petites photos, j'ai fait un post Insta. Et là, j'ai vraiment mes palettes d'éther de m'habiller et tout. Mais je vais quand même me servir une petite boisson que je me suis achetée tout à l'heure au magasin. J'ai vu qu'il y avait un très beau verre de vin. Il est sublime. Voilà. Bon, c'est un peu péché de ne pas servir du vin là-dedans. J'ai acheté une petite boisson qui a l'air rigolote. Il y a de l'alcool dedans. C'est pas délicieux, on dirait un médicament. Super. C'est pas plus mal de ne pas aller au resto ce soir parce que ici ça coûte une blinde. Voilà. Paris à côté, c'est pas cher. Je vous fais des bisous. Si jamais j'arrête ce vlog maintenant, parce que demain je rentre déjà à la maison. Et j'ai hâte de revoir mon petit chat. Bisous. Jour 3, toujours aussi malade, dégoûtée parce que j'ai pas mon énergie habituelle, surtout quand je suis en week-end comme ça. Ma patience, je suis trop heureuse et tout. Là, ça va. Alors que j'ai dormi 10 heures les deux nuits passées ici, ce qui est incroyable, ça ne m'arrive jamais. Mais j'essaie de kiffer au plus possible. Là, il est 9 heures passées, je me prépare, j'ai déjà fait un petit peu mes bagages. Je dois check out à midi. Je vais juste me balader une petite dernière fois, aller manger un brunch, bien sûr. Parce que j'ai trop faim et voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est beaucoup trop court de nuit à Copenhague. Voilà, je suis frustration là actuellement, surtout quand les trucs que je voulais absolument faire sont fermés. Il y a énormément de choses à faire. Voilà, je vous mettrai soit sur Insta, soit en barre d'infos, je sais pas, toutes les recos que j'ai eues au niveau des activités, des musées, tout. Il y a trop de trucs à faire. Il y a trop de quartiers à voir. Vraiment, c'est pas comme Londres ou, je sais pas, genre Amsterdam, des villes comme ça que tu peux, franchement, tu peux les faire en un bon week-end. Là, il y a trop de trucs. J'ai l'impression que je suis frustrée. J'ai 1h30 avant d'aller chercher mes bagages dans l'appart et faire le check-out. Je me suis prise pour l'aéroport un petit roulé à la cannelle qui est la spécialité d'ici. Voilà, fallait quand même que je teste. Et là, je vais faire un tour au jardin botanique, juste me balader une dernière fois. Ça va être la petite activité de ce matin.